Merlin, le petit chien magique, avec vous il va jouer. Comme il porte un collier magique, son vœu va se réaliser. Alors, Georges, dit Hervé Moreau. Es-tu content d'aller à la pêche au flot bleu? Bien sûr, Hervé, répond Georges Moreau. Je me souviens qu'on allait toujours à la pêche ensemble quand on était petit. Ça alors, il y a deux monsieur Moreau, se dit Merlin. Bonjour, oncle Hervé, dit Charlotte. Bonjour. Bonjour, oncle Georges. Bonjour, Charlotte. Tu as l'air en forme, lui dit Georges Moreau. Bonjour, Merlin. Oh, ce que c'est bizarre. Merlin, lui dit Hervé Moreau. Connais-tu Georges, mon frère jumeau? Ravi de te connaître, Merlin. Au secours, je vois double. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris. C'est sans doute parce qu'il n'a jamais vu de jumeaux. Je crois que ça a fait un choc à Merlin quand il nous a vus. Qui peut savoir ce qu'il lui prend? Dit Mousse. Tu ne sais pas où est Merlin? Si, je le sais. Il se cache sous sa couverture. Merlin, est-ce que tu es là? Non. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas vu double. Rassure-toi, tu as vu mon oncle Hervé avec Georges, son frère jumeau. J'en ai vu deux. Je dois devenir fou. Non, gros bêta, ils sont jumeaux. Les jumeaux se ressemblent. Si tu avais un jumeau, il serait exactement comme toi. Comment ça? Exactement comme moi? Pratiquement. Quand mon oncle Hervé et Georges, son frère jumeau, étaient petits, les gens ne savaient jamais qui était qui parce qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Donc si j'avais un jumeau, il serait exactement comme moi? Il aimerait faire des trous, manger des saucisses, embêter les idiots de chats et on pourrait jouer ensemble. Oui, sauf que tu ne peux pas avoir de jumeaux. Heureusement, avec un merlin au flot bleu, ça nous suffit largement. Bon, maintenant j'espère que tu as bien compris ce que sont les jumeaux. Tu ne vois pas double et tu n'es pas fou. Salut. Oh, si j'avais un jumeau, ce serait fantastique, ça me changerait la vie. On pourrait aller faire des trous dans le jardin de Mademoiselle Roseau. On pourrait jouer au ballon et au bowling. Et on mangerait plein de saucisses. C'est alors que Merlin se souvient de son collier, de son merveilleux collier magique. Hé, j'ai une idée. Je vais me servir de mon collier. Donne-moi un jumeau, donne-moi un jumeau tout de suite. Mais rien, il ne se passe rien. Faut peut-être que je cours après ma queue. Donne-moi un jumeau, donne-moi un jumeau tout de suite. Puisque même après avoir couru après sa queue, il ne se passe rien, Merlin se met à réfléchir très fort. Bon, rien n'a l'air de marcher. Si seulement j'avais un jumeau. Il suffit que Merlin prononce les mots magiques. Ça, c'est très bizarre. Grâce à mon collier, j'ai atterri ici alors que je voulais avoir un jumeau. Mais pourquoi tout le monde rit? Qu'est-ce qui se passe? Demande Merlin. C'est Max, ton frère jumeau, lui répond Eric le hérisson. Il connaît tout un tas d'histoires drôles. Il n'arrête pas de nous faire rire, ajoute Kiwi. Il est drôle, tellement drôle, dit Mousse en gloussant. Il m'a tellement fait rire que j'en ai mal au bec. Merlin est un petit peu jaloux que son tout nouveau jumeau ait autant de succès. Moi aussi, je connais des histoires drôles, s'écrie Merlin.
Mais elles ne sont sûrement pas aussi rigolotes que celles de ton frère, dit Oscar méchamment. Merlin ne se laisse pas impressionner et décide de raconter une de ses histoires. Pourquoi les gens qui jouent au golf emportent toujours un pantalon de rechange? Je n'en ai vraiment aucune idée. C'est facile. Au cas où il ferait un trou en un. C'est quoi le golf? Demande Eric le hérisson. On m'a posé une drôle de devinette l'autre jour, dit Max, le frère jumeau de Merlin. La statue de la liberté est en quoi? Elle est en le bras. Je leur ai raconté ma meilleure blague et elle n'a fait rire personne. C'est ma balle bleue. Je vous signale que c'est ma préférée et je veux m'amuser avec. Oh là là, pourquoi tu joues les rabat-joie? Tu pourrais partager tes jouets avec ton frère. C'est vilain d'être aussi égoïste. Merlin a tellement l'habitude d'être le seul petit chien au flot bleu qu'il n'a jamais pensé à partager ses jouets avec quelqu'un. D'accord. On n'a qu'à tous jouer avec ma balle. Très vite, Merlin s'amuse comme un petit fou avec son amie Charlotte et Max, son jumeau. Merlin, tu peux venir une minute? J'ai quelque chose à te dire. Je suis ravi de voir que tu as un nouvel ami, mais as-tu réfléchi à l'endroit où il va vivre? Pas avec nous, évidemment. Hé, là, pas si vite. L'ennui, c'est que nous n'avons qu'une seule niche et de la place que pour un seul chien. Et ce chien, c'est toi. C'est vrai? Je n'avais vraiment pas pensé à ça. Maintenant, il va falloir que nous y réfléchissions, parce que Max va avoir besoin d'avoir un endroit à lui. Mais pourquoi tu fais cette tête? Demande Charlotte à Merlin. Tu as l'air tout malheureux. Non, c'est rien. Répond Merlin. Il faut absolument que je trouve une solution. C'est à cause de mon vœu qu'on a des problèmes. Allons, Merlin, réveille-toi. Tu as raté la balle. Tout en jouant, Merlin trouve une idée. Si je me suis servi de mon collier magique pour faire apparaître mon jumeau, je peux peut-être m'en servir aussi pour lui trouver un endroit où il pourra vivre. Mais où? Je ne trouve aucun endroit. Si seulement quelqu'un avait une idée. Il suffit que Merlin prononce les mots magiques. Merci, Hervé. Ça m'a vraiment fait du bien de passer quelques jours au flot bleu et de me retrouver parmi vous. Je suis si souvent seul que ça m'a changé. Tu sais, Georges, ta visite nous a vraiment fait plaisir, dit Hervé à son frère. D'ailleurs, tu devrais revenir nous voir beaucoup plus souvent. Je vais chercher la voiture, dit Émile. Et je vous emmènerai à la gare. Mais maintenant que j'y pense, vous avez bien dit que vous viviez tout seul. Oui, et quelquefois je trouve ça difficile et ça me rend triste. Eh bien, j'ai peut-être une solution. Ça ne vous tenterait pas d'avoir la compagnie d'un petit chien? Oh, il a raison, c'est une excellente idée. Puisque tu trouvais que Merlin était un adorable petit chien, pourquoi n'adoptes-tu pas un chien toi aussi? Oh oui, dans le fond, ça me tenterait. Mais où est-ce que je vais pouvoir en trouver un? Ici! Ici même! Merlin a raison! Dit Émile en riant. Nous avons un adorable petit chien ici même qui s'appelle Max et qui cherche un foyer. Ah, je vois. Dans ce cas, je crois que nous serons de bonne compagnie l'un pour l'autre. Je suis vraiment content d'avoir trouvé un gentil maître pour Max. Je n'en ai pas pour longtemps. Je vais rapporter ça sur le bateau et ensuite nous rentrerons à la maison. Oh non, encore un jumeau! Tu n'es qu'un gros bêta, dit Émile en riant. C'est ton image dans une glace.